Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de ce lundi 3 janvier 2021. Donc toujours avec l'oracle aquarelle à la place d'honneur hein, en numérologie. Ensuite, j'irai prendre mon premier Lenormand qui n'est plus à la vente aujourd'hui. On me le demande parfois, mais non, celui-ci pour le moment en tout cas, il n'est plus à la vente. C'est le Lenormand intuitif. Puis j'irai prendre le Cheryl Richardson, donc les cartes du bien-être. Voilà. Les cartes du bien-être de Cheryl Richardson, en petite carte bonbon. Alors, aujourd'hui, donc, nous sommes le 3, donc nous avons la carte numéro 3, et c'est la carte de l'abondance, les amis. C'est la carte qui nous dit qu'aujourd'hui, et peut-être pour cette semaine, nous allons entamer une phase de chance, En tout cas, il y a un courant d'énergie positive qui traverse cette journée et qui peut nous offrir beaucoup de choses. Il y a une ambiance un petit peu comme ça, où l'abondance, c'est beaucoup de choses qui se passent. C'est très souvent positif, d'accord? Pas toujours, pour certains d'entre nous. On peut en tout cas le ressentir un petit peu moins positif parce que la vie n'est pas un conte de fées, d'accord? Mais la carte de l'abondance, quand elle sort, elle veut surtout marquer le fait qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer aujourd'hui. Il peut y avoir des informations, il peut y avoir des choses qui nous parviennent. On peut recevoir des choses aussi, ça peut être des cadeaux, ça peut être... il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. Voilà, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. Ensuite, donc, pour le mois de janvier, nous avons évidemment la carte du commencement. C'était évident, la carte numéro 1. Hein. Et donc... en combinaison avec l'abondance, on voit que cette abondance, elle peut nous ouvrir des portes aujourd'hui. Ou en tout cas, on peut commencer un schéma de pensée qui nous mène vers l'abondance, qui nous mène vers la positivité, qui nous mène vers le changement tant attendu, qui nous mène vers finalement l'objectif qu'on avait en tête. Maintenant, comme dans tout tirage en fait, hein, c'est à nous de faire ce chemin-là. C'est à nous de ne pas décider de nous arrêter sur le chemin au moindre obstacle, en sachant qu'on sait d'où on vient, puisque derrière elle, elle a des pétales qu'elle a dans son panier un petit peu magique, qui ne se termine jamais. Et donc, pour aller vers cette abondance, ce sera à nous de choisir d'y aller, en fait. Si vous attendez que quelqu'un vous offre cette abondance sur un plateau, vous allez attendre longtemps. D'accord? Parce qu'en vérité, personne, mais dans n'importe quelle situation dans la vie, ça existe ça, en fait. Hein. Il y a l'idée de devoir faire l'effort d'aller chercher, il y a l'idée de devoir marcher, cheminer, voilà. Ensuite, donc, 3 plus 1, ça nous donne 4, et nous avons donc les responsabilités. Aujourd'hui, cette carte-là, elle n'est pas du tout négative, elle marque le fait que, ben, comme je vous ai dit, si vous ne faites rien, rien ne se passera. Si vous faites les choses, c'est de votre responsabilité de prendre votre libre arbitre et de faire avec. C'est de votre responsabilité. Regardez, c'est le poids du pouvoir que l'on a. Le poids du pouvoir, on peut le prendre comme « Ah, c'est encore à moi de faire et c'est lourd et machin », mais aussi, on peut le prendre aussi en mode ben, « Puisque c'est à moi de faire, autant que je le fasse le mieux possible pour moi ». Autant que je le fasse de la manière la plus utile à mes objectifs. Voilà, c'est à nous de faire les choses. Pour certains, ce sera encore de la contrainte, mais j'ai pas envie de faire, et puis je préférerais que ça se fasse tout seul, et puis voilà. Et puis pour d'autres, ça sera, ben en fait, moi, je suis content de devoir le faire, parce qu'au moins, ben, ça sera fait à ma manière, au moins, ça sera fait comme je le veux, et au moins, ce sera utile pour moi. Voilà. Il y a différentes manières de voir cette carte, d'une manière positive, et parce qu'on a la couronne, mais aussi d'une manière négative, parce qu'on a la chaîne. Vous voyez, la chaîne, on a une autre main libre, hein. On peut s'en défaire, d'accord? Donc, à nous de voir ce qu'on a envie de faire. Et donc, 4 plus 6 de l'année universelle 2022, ça nous donne la force. Alors, l'année universelle 2022, j'ai préparé une vidéo en numérologie qui viendra par la suite parce que je n'ai pas le temps de la finir. Donc, on va se laisser le mois de janvier. Hein, on commence seulement tranquille. Donc, la force, elle nous dit, bah, encore une fois, aujourd'hui, c'est la maîtrise de nos émotions, c'est la maîtrise de notre caractère, c'est le fait de savoir que si j'ai besoin de sortir les griffes, je les ai, en fait. Mais je ne vais pas les sortir sans en avoir besoin. Ça ne sert à rien. D'accord? Ça nous dit que si je dois sortir les griffes, il faut que je les sorte de manière intellectuelle. Il faut que je les sorte d'une manière, en fait,
à défendre mon libre arbitre et pas à attaquer. C'est pas une histoire de conquête là, d'accord? On est là pour cheminer tranquillement vers l'abondance et on ne chemine pas vers l'abondance en étant énervé, en étant voilà. Il n'y a pas de carte qui me montre qu'il y aura un énervement, mais je préfère le dire parce qu'on ne sait jamais, d'accord? Et moi, j'ai plutôt, quand je regarde ce tirage, j'ai plutôt tendance à y voir de l'abondance, à y voir les fruits d'un travail que l'on aura accompli, qui commence à arriver et qui ne sont dus qu'à notre travail et qu'à la maîtrise de notre caractère et qu'à la défense de nos opinions et de notre libre arbitre. Voilà. On va regarder avec le nœud normand. Je sais pas si quand j'ai commencé, j'ai dit 3 janvier 2022 ou 2021. Enfin, vous aurez compris, c'est 2022. On a une carte qui a sauté. J'ai laissé toutes les cartes, les deux femmes, les deux hommes et les trois cartes supplémentaires. Donc on a la femme. Ouais, on a un cheminement. Aujourd'hui, je pense que c'est plutôt une journée en intériorité, en fait, où on se dirige vers l'abondance et où, quand je vibre positif, je reçois du positif. Et mais si je ne vibre pas du positif, bah, c'est parce que je recevrai, en fait. Nous avons la montagne. Ouais, c'est plutôt une journée... Il n'y a pas... La montagne, ici, moi, je la ressens pas comme un blocage, mais plutôt comme l'effort de voir les choses d'une manière positive, l'effort de, vous voyez, de ne pas me laisser impacter, en fait, d'être impassible comme la montagne est difficile à atteindre. Ouais, vous voyez, le cœur, on est sur les émotions, on n'est pas sur un truc concret. Il n'y a rien qui nous, concrètement, qui va nous bloquer plus que la veille, je veux dire, d'accord? Mais on est sur un truc où il va falloir un petit peu se prendre les choses de haut, et ne pas se laisser impacter facilement. Je coupe. Donc nous avons l'homme et l'enfant. Ouais. Je pense que tout ça, ça concerne un renouveau qui est en train de se profiler, je dirais, à l'horizon. Parce que le chemin, on voit qu'on est qu'au début. Hein. Mais un renouveau concret. Un truc où il va falloir j'ai envie de dire s'habituer à quelque chose de nouveau. Pas forcément d'inédit, mais à un truc qui bouge, en fait. Allez, c'est parti. Donc, nous avons en ce lundi 3 janvier le cavalier, le nuage, le renard au milieu, le trèfle, l'étoile. Alors, ça commence en mode un petit peu gnignin, chafouin, hein. Et puis ça finit très bien. Alors, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on va commencer cette journée et cette semaine du coup, peut-être en avançant un petit peu à l'aveugle, avec des incertitudes, avec des je ne sais pas, mais le nuage ne faisant que passer, on voit que c'est en se mettant au centre, c'est-à-dire en étant stratège par rapport à nos objectifs, qu'on va se créer en fait des opportunités. C'est ces opportunités qui vont nous apporter de la positivité. Ça peut être dans le milieu professionnel, très clairement. Mais ça peut être aussi juste pour nous, en fait, par rapport à un objectif personnel. Et dans ces cas-là, le renard, il va nous parler de stratégie, il va nous parler aussi de se mettre un petit peu dans une bulle, en fait, de se centrer sur de quoi j'ai besoin pour être bien, de quoi j'ai besoin pour me sentir à l'aise, en fait. Sans pour autant pénaliser forcément l'autre, hein, mais moi, sans m'oublier moi, en fait, de quoi moi j'ai besoin. Et c'est en faisant ça qu'on va réussir à passer vers une énergie dans la journée beaucoup plus positive, beaucoup plus apaisante, parce que l'étoile, c'est aussi l'apaisement, en fait. Hein. C'est pas que la solitude là-haut. La solitude peut être très apaisante, la prise de recul peut être très apaisante aussi, et source justement de positivité, parce que quand on prend du recul, on est moins dans l'affect, et donc on trouve plus facilement des solutions à des petits soucis, à des petites contrariétés, on va dire. Je vais tout recouvrir. Donc, je recouvre le cavalier par la lettre, je recouvre le nuage par l'hélice, je recouvre le renard par le jardin, je recouvre le trèfle par la verge et je recouvre l'étoile par la croix. Alors, ici, vous allez me dire, ah, Founé, c'est vachement moins positif. On va recouvrir la lettre, juste la lettre, pour voir ce que ça nous dit. L'arbre. Ok, vous allez dire, Founé, là, t'es bien gentille, mais comment tu vas trouver de la positivité là-dedans? Ben moi, je vais vous le dire.
En fait, pour moi, si je regarde cette deuxième ligne, j'y vois beaucoup de mental aujourd'hui, en fait, hein. Et je pense qu'on est là, en fait, hein. Quand je vous ai dit, c'est à moi de choisir comment je prends les choses. Je pense qu'il y a une partie de nous aujourd'hui qui va comprendre que bah, finalement, on a peut-être des... C'est pas forcément des décisions à prendre, hein. On n'en est pas encore là, mais on a du libre arbitre à poser, à saisir, en fait, à poser en soi et à saisir. On a des attitudes, en fait, à avoir par rapport à quelque chose qui vient de l'extérieur. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans un... Je dirais pas dans un rapport de force aujourd'hui, hein, mais je dirais qu'on est dans une journée où il va falloir essayer de poser un petit peu... les choses, de prendre de la distance et de voir quels sont les liens et les ressorts qui nous poussent à prendre telle ou telle décision, tel ou tel positionnement. Vous voyez, il y a cette idée. Désolée, on aura été coupé. Donc, je vous disais, ouais, j'ai l'impression qu'on va devoir prendre de la hauteur. Et du coup, la montagne qui a sauté me parle bien par rapport justement à cette notion de choix, en fait, hein. Pas forcément la notion de choix à faire tout de suite, mais de prendre conscience quel est notre pouvoir sur notre état émotionnel, sur ce que l'on ressent, parce que là, on nous parle d'émotion, en fait. La verge, c'est l'autoflagellation. Et il y aura la tentation aujourd'hui d'avoir de la difficulté à prendre conscience que c'est à nous de choisir comment on vit notre journée. Si vous avez décidé de vivre votre journée en ne pouvant dépasser le fait de se sentir contraint à vous occuper des choses plutôt que content de vous occuper parce que comme ça va aller dans votre sens, eh bien, il y aura une sorte d'autoflagellation et l'idée de lourdeur. Par contre, pour ceux qui auront décidé justement de saisir cette opportunité de vous occuper des choses vous-même, eh bien, il y a une forme de libre arbitre et puis il y a, comment dire, j'accepte, j'accueille et j'officialise le fait que c'est à moi de rendre les choses saines et d'utiliser mon libre arbitre pour ça. Je pense que tout ça viendra de l'extérieur. C'est pas quelque chose forcément en vous-même ou pas forcément toujours pour votre foyer, mais c'est en lien avec une forme d'extériorité. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on a le cavalier, la lettre et l'arbre. On voit qu'il y a quelque chose qui arrive, un truc officiel dont vous allez devoir vous occuper. C'est pas forcément en lien avec la santé, ça peut être en lien avec la famille, ça peut être en lien avec vos projets futurs, mais aussi en lien avec la santé, évidemment. Mais j'ai l'impression plutôt des projets, de la famille, quelque chose comme ça. Il y a, avec le nuage et l'hélice, il y a l'idée de ne pas savoir ce qui est possible de faire, parce que l'hélice, c'est la fleur du pouvoir, et dans pouvoir, il y a je peux, en fait, hein. C'est l'idée de ne pas savoir ce qui est possible ou non de faire, en fait. Quelle est ma marge de manœuvre, quelles actions je peux mettre en place. Ça va être un petit peu compliqué parce que au départ, dans cette journée, pas grand-chose ne nous aidera, hein. Mais il va falloir essayer de voir clair, c'est-à-dire il va falloir essayer de prendre les choses avec de la distance, il va falloir essayer de mettre en place des stratégies par rapport à ce qui est de l'extérieur. C'est pas impossible, ça demande un peu d'effort aujourd'hui, effectivement, mais c'est pas impossible du tout, bien au contraire. On aura un peu de mal à voir qu'on fait les choses bien. Ça, c'est cette combinaison-là, trèfle et verge, pour moi aujourd'hui, manque de confiance. Voilà. Manque de confiance, je fais, je fais, hein, mais je ne me fais pas hyper confiance, alors qu'en vérité, tout va bien, en fait, hein, parce que pour moi, l'étoile et la croix, finalement, c'est l'espoir et l'apaisement, en fait, hein. C'est l'apaisement, c'est une fin, mais une fin heureuse, en fait, hein. C'est un aboutissement. Dans cette journée, peut-être que, oui, effectivement, vous aurez eu du mal au redémarrage, on va dire, après ces périodes de fête, etc. Effectivement, vous aurez peut-être un peu du mal à redémarrer, mais au final, cette journée, quand elle sera terminée, ce bilan sera positif, vous aurez fait plein de choses, il y aura une forme d'abondance, c'est un recommencement, et c'est vrai, hein, ça vous aura demandé voilà, de vous dépasser, etc. Mais au final, vous serez content de vous, donc... Il n'y a pas de problème. Et je pense que je vais être concernée. Je ne sais pas pourquoi. On va regarder avec l'oracle. Pour ce lundi 3 janvier 2022, nous avons connexion. Voilà, elle vous dit, liez-vous à quelqu'un de spécial, un être cher et un présent qu'il faut chérir. Écoutez, moi j'ai envie de la mettre à côté de celle-ci parce que ça peut être même pas forcément de l'aide,
mais quelqu'un qui vous rebooste un petit peu, qui vous remette un petit, qui vous remettra un petit peu les pendules à l'heure en disant, mais t'es capable, tu peux, calme-toi, t'as pas besoin de sortir les griffes ou de t'énerver, détends-toi, tout ira bien, quoi. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider aujourd'hui et nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!